Bonjour à tous, je suis à la Porte Dorée et donc je suis à Paris, je suis à la limite avec le bois de Vincennes où j'ai fait plein de vidéos sur le bois de Vincennes dont le tour du lac de Lomille, le zoo du bois de Vincennes ou le parc zoologique de Paris et bien sûr d'autres endroits comme tout au fond du parc avec du bois. L'arboretum de Paris, le lac de Gravel, le lac des Minimes, le jardin tropical. Donc là, on va aller vers un site que j'avais déjà visité mais quand j'étais très môme. Donc aujourd'hui, ça a complètement changé. Donc c'est la Porte Dorée, héritage de l'exposition coloniale de 1931 et qui abrite le musée national de l'histoire de l'immigration et l'aquarium tropical. Donc on va aller visiter le site. Moi je l'ai connu quand j'étais enfant, quand il y avait encore ce qu'on a aujourd'hui maintenant au quai Branly, au musée Jacques Chirac quai Branly, bah, on avait encore des collections des arts premiers. Donc maintenant on va aller visiter le site. Presque, elle date de quand le palais de la Porte Dorée, c'était le palais des colonies. 1931. Donc là, vous avez une allégorie avec la France au milieu. En haut à gauche, c'est l'Asie. À gauche de la France, c'est l'Europe. En bas à gauche, ça doit être l'Océanie. En bas à droite, avec les gratte-ciels, les Amériques. Et en haut à droite de la France, l'Afrique. Donc c'était pour montrer que la France rayonne sur les 5 continents, les 6 continents on va dire. Non, les 5 continents. Voilà. Bon, le musée de l'histoire de l'immigration, c'est vraiment bien. Franchement, je vous le conseille. Ça remonte aux tripes, ça montre aussi la difficulté aujourd'hui. De comprendre les difficultés aujourd'hui que sur l'intégration des immigrants d'aujourd'hui, mais aussi de leurs descendants. D'il y a 2 ou 3 générations. Maintenant, on va aller visiter l'aquarium tropical de la Porte Dorée qui se trouve au sous-sol. Il
Donc voilà, donc ça c'est l'aquarium. Donc là on est sur des poissons d'Afrique. Et l'aquarium date depuis la création du palais de la Porte Dorée. Et il a été rénové plusieurs fois. La dernière rénovation date de 2018. Voilà, et il y a du monde. Donc voilà, à peu près, c'est à peu près tout ça l'aquarium. Bon, bah, il y a des animations, vous allez entendre le bruit de fond. Donc là, ce sont des poissons d'Asie. Et ça, ce sont des poissons d'Amérique. Donc on a les continents, tous les continents tropicaux. Donc ça, c'est piranha a priori. Regardez la gorgogne. Regardez ça, comment elle est grande. Non, c'est pas une gorgone, c'est une dispouneuse américaine. Vous voyez l'animal là, c'est une dispouneuse américaine. Énorme. Regardez-moi ça. Donc il existe un autre aquarium. Il réside deux autres aquariums sur Paris. Là, il y a l'aquarium de Trocadéro. Et l'aquarium qui se trouve à la Cité des Sciences. Regardez l'aiguille. Les aiguilles électriques. Tortue matamata. Donc ça c'est les fameuses crevettes nettoyeuses. Là c'est les crevettes barbier cardinal. Et là on a les poissons clowns. Je vous dis, il y a vraiment du monde dans l'aquarium. C'est incroyable. Mais c'est très bel. Hein. Franchement, depuis qu'ils l'ont fait il y a 5 ans, il est magnifique l'aquarium. Moi, j'y suis allé quand j'étais moon. J'ai pas de souvenir de c'était comme ça. Ça, c'est une crevette bleue du Gabon. Voilà, des axolotes. Là, il y a aussi un aquarium aussi à la ménagerie du genre en dépense. Ouais, il est là-haut. Il y a aussi un aquarium au parc de Paris. Un crevette étoilée bleue 2 de Floride. Et ici, c'était les crabes vampires. Il est trouvé le crevette bleue là et tout. Non. Ah, moi je vois ça avec les commentaires des visiteurs. Hein. Mais honnêtement, c'est vraiment bien. Il y a plein de petits aquariums avec plein de poissons. Différents, mais pas que des poissons, il y a aussi des crustacés. Il y a... Puis après, ils avaient sur les hauteurs bah, les noms des animaux que vous trouverez. On y va ? Regardez-moi ça. Et là, c'est la ditoneuse australe. Donc, ce sont des loges clowns, d'après ce que j'ai compris, marécage d'Asie. Voilà, ça, ce sont des animaux du fleuve d'Asie. Donc, on a poisson tête de serpent, poisson tête de serpent, poisson couteau osselet,
un teur, un parmesan, un tanip, une tortue, un nez de cochon, un carpe d'aubaine, un paladin et un sirop. Il y a trop de choses, il y a trop de noms. Ah, regardez. Là, on est sur la rivière encore mal connue. On a d'autres poissons. Un surpas de flèche, loche, naine, damier. Peut-être qu'il y a... faut faire le tour. On en a plein, c'est les rivières lentes de d'Inde. C'est magnifique. Franchement, je vous conseille d'aller à l'aquarium. Il est magnifique. Voilà, là je suis en train de terminer la première partie de l'aquarium. Et maintenant, je vais aller de l'autre côté. Voilà, maintenant on est sur la deuxième partie de l'aquarium, c'est tout ça. Vous avez un seurat, ça doit être, si je ne me trompe pas, c'est celui-là que je suis en train de filmer, celui-là aussi. Et après, vous avez bien sûr d'autres poissons, donc là c'est la Nouvelle-Calédonie. Là c'est des synapses de Nouvelle-Calédonie. Là on est sur la grande barrière de corail australienne. Et aussi les poissons de la Polynésie française. Donc la grande barrière c'était le grand qu'on voyait ici. Et là c'est la Polynésie française. Donc là c'est les poissons papillons à double sel du Pacifique, ce que vous voyez principalement. Il y a aussi des cantires à sel noir, des rascasses volantes rayées. Mais alors ça, pour deviner, moi je sais pas du tout. En tout cas, c'est magnifique. Voilà, ça c'est la rascasse. Et là, on est en mer Rouge. Je cherche le poisson papillon coché. Mais il y a aussi de la gobie à taches blanches, le poison orange de mi-lune, et là on a un maillot de Madagascar. Je vais mettre du son derrière donc. Pas moi. On est beaucoup de visiteurs, donc c'est normal que ça brasse, ça discute, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est magnifique, franchement. Et là, on est sur Hawaï. Vraiment, la crème a bien été refaite. Hein. Tu l'as vu ? Regardez le lac Victoria en Afrique. Et Princesse de Richard, c'est, aussi, c'est le lac Tanganyika, les grands lacs africains. Voilà, on est encore dans le lac Tanganyika. Et là encore, on est sur des poissons qui viennent des plans d'eau africains. Ouais, le poisson, c'est le chimnarque du Nil. Ah, je vous dis, il y a du monde. Hein. Et là, si je ne me trompe pas, on a un alligator blanc, albinos. Et maintenant on est à Madagascar. Regardez, c'est des Chichibé Jujuba. Elle vous dit c'est pas facile de parler dans un aquarium, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Et là maintenant, on est encore dans Madagascar. Regardez encore ces poissons. On a des damba avec des menarumbo, des mipantina, un polini. Ah, je lis.
Je lis simplement l'indication. Et là, on a des Bodotiadés. Là, c'est des Acociadés. Donc, encore Madagascar. Et elle est juste là. Et l'aquarium d'à côté, il n'y a plus de poissons. Ils sont en train d'être innovés. Regardez, vous voyez, plus de poissons du tout. Ça, c'est en cours de rénovation. Donc, j'essaie de voir les raies. Mais c'est pas facile, j'ai bien tout juste de passer. Regardez la raie. Puis il y a un autre poisson, j'ai l'impression que c'est un poisson chat au fond. Regardez, il y a une autre raie ici. C'est les tortues. Et voilà, les dernières tortues. Les dernières tortues. Voilà, vous avez un food truck dehors. Regardez la fresque. Donc, qui date de la période des colonies. Parce que c'était le palais colonial, avant que ce soit le palais de la Porte Dorée. Et maintenant, c'est le musée de l'histoire de l'immigration et la palme tropicale. Et voilà, les amis, là, je viens de quitter le palais de la Porte Dorée. Donc, dont il y a ce que je vous avais dit, le musée de l'immigration, l'histoire de l'immigration et l'aquarium tropical. J'espère que cette balade vous a plu. Là, je suis le long du T3, le tramway T3. Là-bas, caché, on voit les tours du haut, l'entrée du 13e. Alors, j'espère que je passe en caché derrière, vous les voyez bien. Moi je vous conseille, si vous passez une journée dans la Porte Dorée, c'est de compléter ça avec le parc zoologique de Paris. Voilà. Et moi je vais reprendre le métro qui est juste là pour rentrer chez moi. Et là on a le tramway qui arrive, le T3. Et dire que l'an prochain, je sais plus, c'est l'an prochain, hein, oui, d'extension à la Porte Dauphine. Voilà. Allez, je vous laisse regarder. Il y a du monde, théoriquement, il y a toujours du monde dans le tramway. Voilà, je vous laisse, je vous dis ciao et à la semaine prochaine. Et regardez avant, j'ai passé par là, vous voyez les gens, c'est la promenade de Pampé, la voie Renée du Mont. C'est ce que j'avais mis de Bastille à Porte de Charenton. C'est de faire une marche à pied. Ciao ciao.